La semaine prochaine, je pars pour les États-Unis, où je vais retrouver un merveilleux comédien, un très grand acteur avec qui j'ai eu la joie de tourner il y a cela 8 ans, Burt Lancaster. Et avec Burt, nous allons faire un film essentiellement américain sur l'histoire, enfin sur une certaine histoire du CIA, le CIA, qui est une organisation internationale bien connue dans le monde, essentiellement américaine. Ce film sera mis en scène par Michael Winner, à qui nous devons déjà The Low Man, avec le même Burt Lancaster. Et surtout pour mes admirateurs japonais, s'il en est, j'ai surtout et essentiellement envie de faire un film au Japon. Et ça, je le dis depuis très longtemps, et pas avec n'importe qui. Je souhaiterais, si les miracles existent, je souhaiterais tourner sous la direction de Kurosawa. Et pour parachever le miracle, pour que ce soit vraiment parfait, alors j'aimerais aussi avoir la chance de retrouver Mifune. Et ça, c'est un des rêves pour moi les plus chers. En 15 ans de carrière, j'ai eu effectivement l'occasion ou la chance de rencontrer beaucoup de gens. Mais s'il en est une que je dois sortir en exergue, c'est ma rencontre avec Jean Cocteau. Jean Cocteau, qui est un... sans besoin de le préciser, un poète français bien connu et mondialement connu, et spécialement des Japonais. Jean Cocteau a marqué le début de ma carrière. J'ai eu la chance de le rencontrer à l'aube de ma carrière. Il a énormément cru en moi, il a cru en mon avenir, en tant que comédien, en tant qu'acteur, et il a fait beaucoup pour moi, et il a été un des premiers à me mettre sur une certaine voie qui, depuis, je crois, malheureusement, il n'est pas là pour le voir, ni pour s'en rendre compte. Je crois qu'il n'aurait pas à rougir de moi et à rougir de ses conseils à mon égard. Malheureusement, Jean Cocteau, comme vous le savez, a disparu trop tôt et parti trop vite. Nous le regrettons tous, mais il fait partie de ces rencontres, sinon de cette rencontre inoubliable qui ont jalonné ma carrière. Le passé n'est pas à rappeler. Je crois que l'homme au monde que j'ai le plus admiré, que j'admirerai jusqu'à la fin de mes jours, c'est le général de Gaulle. Et ça, je veux dire, c'est une personnalité qui se passe et de commentaires et d'explications. On admire cet homme pour ce qu'il a été, pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est, je dis, parce qu'il restera, ou on ne partage pas, ou on n'admire pas. Enfin, c'est l'homme au monde que j'ai le plus admiré. Oui. J'ai peu de temps pour les hobbies parce que mon travail m'accapare énormément. Mais disons que j'ai quand même le temps, je veux dire, j'ai une passion, c'est plus qu'un hobby, j'ai une passion pour la peinture ancienne, française, italienne, flamande. Et dès que j'ai du temps, je passe le plus clair de mon temps dans les galeries ou à chercher dans les ventes ou à chercher chez des antiquaires, essayer de trouver des tableaux, des dessins anciens. Et ça, c'est mon principal hobby, à part mon métier, évidemment. Et puis, je suis aussi collectionneur en armes, je veux dire, j'aime collectionner plein de choses, j'ai beaucoup de choses chez moi, je collectionne des armes anciennes, je collectionne des boîtes. Enfin, dans le fond, je veux dire que quand on a l'âme et la vocation d'un collectionneur, on peut collectionner, je veux dire, ça n'a pas de limite, on peut collectionner de tout, des timbres, des boîtes d'allumettes, des choses, c'est pas une question ni de valeur, ni une question d'importance, c'est le fait de... C'est la recherche qui est la passion du collectionneur, c'est de trouver certaines choses qu'il a envie de trouver, de découvrir. La découverte plus que la valeur même des choses qu'il découvre. Il n'influence pas exactement, mais il y a des couleurs que je préfère aux autres. Je suis très sensible, par exemple, sans que ça ait aucun rapport avec les collections, je suis très sensible à une couleur qui est ma couleur, si je dois en avoir une, qui est le bleu. Le bleu, parce que le bleu, c'est le ciel, le bleu, c'est l'horizon, c'est le ciel tel que je l'aime, je veux dire, dégagé de tout nuage. Le bleu, c'est aussi de la France, puisqu'il y a le bleu de France, qui est d'ailleurs pas tout à fait comme le bleu du ciel, qui est un peu plus marine. Mais sur un plan vestimentaire, si vous voulez, je suis pour les couleurs sombres, les couleurs cassées. J'aime avant tout m'habiller en noir, bon. Sans que ça prenne un côté funèbre, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus sauf, c'est ce qu'il y a de plus classique, le noir et le blanc. Pour moi, il n'y a jamais eu plus belle couleur que le noir et blanc.